82 partout, à 4 secondes de la fin. Une passe décisive et Arnaud Tinon plante ce magnifique 3 points de la victoire au buzzer. Le dénouement à l'image de tout un match, très tendu et une victoire bien plus importante dans la tête des joueurs que ce score mitigé à domicile. Ce soir, on a montré du caractère. L'équipe a montré du caractère parce que rien n'a été facile. On a fait des erreurs, mais bon, à la fin, voilà, on arrive collectivement à s'en sortir. C'est top. C'est une belle soirée. Une soirée qui avait commencé proprement, mais sous tension, efficace dans le jeu collectif et pas mauvais à 3 points. Un peu en manque de réussite sous le panier, les joueurs rochelais ont passé les deux premiers quart-temps en tête de quelques points, mais sans jamais faire le break. Il fallait absolument se reprendre à domicile. C'était dur. On n'a pas lâché, on a fait preuve de caractère. Et voilà, on arrive à l'emporter à la fin. Et je pense qu'il faut retenir le fait qu'on n'est pas lâché et qu'on s'est accroché jusqu'à la dernière seconde. Antoine Mendy, qui a d'ailleurs fait profiter ses nouveaux coéquipiers de toute son expérience d'ancien joueur de Pro A, décisif lui aussi quand le match a failli basculer. J'ai joué tout le troisième quart-temps avec les joueurs du banc, les joueurs de National 3, et ils ont vraiment assuré. Et pour nous, c'est les plus belles victoires, des belles victoires d'équipe qui vont donner confiance à tout le monde. La confiance, c'est bien ce qui manquait au Stade Rochelet-Rupella. Il remonte à la 11e place du classement d'une poule qui comprend les plus gros budgets du championnat. Prochain match, samedi, à Chalands.